Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, petite ouverture Pokémon. Par contre aujourd'hui, on change de série, on va finir la display que j'avais commencé à ouvrir, Faille Paradox. J'avais commencé à l'ouvrir sous forme de short, et puis je me suis dit, il reste 15 boosters, autant la finir en vidéo. Donc voilà, j'espère avoir une bonne pioche, et j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour l'ouverture. Allez, c'est parti. Donc on a 15 boosters comme j'ai dit à ouvrir. Techniquement, je dis bien techniquement, on est censé avoir des hits, étant donné que j'en ai pas eu beaucoup dans mes précédentes ouvertures en short. Voilà, peut-être un hit. Peut-être plusieurs hits. Peut-être aussi que je fais déjà mal la manip et que ça commence super bien. Top! Bon écoutez, on continue. Voilà, Yveltal. Et voilà, Ah mais non, en fait, je sais. J'ai fait 4 au lieu de 1, tout simplement parce que j'avais ouvert d'autres séries précédemment. Et puis. Ouais, trop bien! Bref, j'ai fait un short Astro Radio, c'est pour ça, je sais pas pourquoi ça m'a confondu. Bref, c'est pas grave, on recommence. Megapi, on n'avait rien dit. Voilà. Alors, ça fait un moment que j'ai pas ouvert Faille Paradox. Enfin, du coup, en vidéo, je veux dire. Non, un petit Palkia et c'est tout. C'est bon, je me remets dans le bain. En vrai, c'est stylé quand même de changer un petit peu de série. Je sais que Faille Paradox, enfin en tout cas j'ai l'impression que Faille Paradox, c'est pas une série qui hype beaucoup. Mais écoutez, il y a quand même de jolies cartes. En vrai, il y a quand même pas mal de jolies cartes même. J'ai pas trop regardé ce que j'avais eu précédemment, mais je crois que j'avais pas eu tant de hits que ça. C'est pas grave. Hippotrempe, une petite. Ah, ex, oui. Alors, je. Ok, pelage sablé. Donc, c'est temps passé. Et voilà. Premier hit. Tiens, pourquoi j'ai envie de continuer maintenant? On continue. Oups. Ok. Attendez, je remets juste les cannes, pas qu'elles se pètent la gueule. Voilà, ça devrait le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah ça fait du bien de changer du coup, parce que en vrai, Destiny Paldea, c'est vraiment une bonne série. Moi, je trouve vraiment le taux de drop, en tout cas de ce que j'ai ouvert et de ce que j'ai vu à peu près en vidéo, il est clairement ok, même plus que ok. Bah, vous avez vu ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets dans le petit lit. Je vais pas vous spoil, mais quand même, j'ai eu que des hits en fait. Tête de fer, très sympa. Ok. Et du coup, je crois que la prochaine série, j'ai oublié le nom, hein, vous m'excusez, c'est le 22 mars, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, mi-mars, fin mars même. Donc voilà, moi, je trouve que c'est cool de changer de temps en temps. Pardon. Allez. Attends, on tient les cartes, voilà. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, j'ai appris que des gens sont en vacances. Cool, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Les miennes, c'était du coup la semaine dernière. Et j'en ai pas tellement profité, mais c'est une autre histoire. Donc, c'est pas grave. En vrai, je me rattraperai pour les vacances de Pâques. Waouh! Bon, je crois qu'on va retourner dans Destiny Paldea. Hein. Prochaine ouverture, je vais faire les Pokébox, je pense, de Destiny Paldea. Je voulais faire les coffrets, mais en fait, j'ai pas eu tous les coffrets. Donc, bon.
Voilà, voilà. Ouais, on va faire les Pokébox. Et après, promis, je vais faire le récap des cartes que j'ai à double. J'ai fait le tri, hein, c'est bon maintenant. Et puis, je vais vous organiser un petit concours. Je crois qu'on a quelque chose. Petit ex, Tocorico, en ex. Bon, écoutez. Rasé de cœur, hein. Rasé de cœur. Encore une chance d'avoir quelque chose. Hop. Ouais, vous m'excusez, aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. Sachant qu'on est lundi, hein. Donc, la semaine commence bien. Là, j'ai plein de choses à faire cette semaine. Bah, d'où organiser l'anniversaire de ma fille, du coup, pour ce week-end. Ouais, trop bien. Quoi. Ouais, aujourd'hui, c'est un petit peu story time. Je vous raconte ma vie. Enfin, rien d'extraordinaire. Mais voilà, j'ai décidé d'organiser l'anniversaire de ma fille à la maison. Étant donné qu'on a déménagé et tout, c'est quand même plus sympa. Ses copains et ses copines peuvent venir voir sa chambre, etc. Donc voilà, on attend une dizaine d'enfants. Je le sens plutôt bien. Comme ce booster, du coup, avec une petite halte de Mias Max. Mias Max. Ok, franchement, j'aime bien l'illustration, même si je suis pas hyper fan du Pokémon. Et on a, ok. Petite foulard. Très bon booster. Ok. Lily, t'es vers la fin. Ouais, j'aime bien l'illustration, même si je suis pas fan du Pokémon. Et on a un Karmadura. Ok. Ok, bah, full art d'un Pokémon que je ne connais pas. Mais une full art quand même. Bon, écoutez, je préfère la lettre. Voilà, écoutez, on va mettre ça là. Je crois que j'ai gardé, il me reste quoi? Ouais, quelques boosters encore pour faire des shorts. Bon, bah, n'hésitez pas à aller voir mes shorts, hein. Il y a possiblement des hits dedans. Ils sont pas là. Si, ils sont là! Ah, elle me dit quelque chose, mais... Ok, pomme de fer. Ben voilà, au final les alts sont là. Enfin les alts et les hits, excusez-moi. Les hits étaient à la fin et le goudon. Ça là. Et avant-dernier booster. Bon, ce sera une petite vidéo, je pense. Alors, Flotajou, Zébibon, Croquine, Barco, Oup. Donchitrouille, Ramp. Elle, Meloco, non, et non, Deoxy, ok, dernier booster, allez. Bon, ça va, je sais que je vais avoir des hits, mais ça se trouve, ils sont juste dans les autres boosters. Tant pis pour la vidéo, enfin, du coup. Allez, Elekid, Sorboule, Grindur, Grignot, Veste de défi, Sorboule, Nigirigon, Campagnol, non, bon, ok. Allez, encore un petit booster. Un petit booster avec Karchakrok. Le code, et c'est parti. Évidemment, ça coupe. Bref, allez, dernier booster, comme je disais, Chouchoudil, Lilterne, Floutoutan. C'est pas mon jour aujourd'hui. Mordidor et. Bon. Désolée. Bon, petit coup. Ok, allez, on finit avec une petite ex du coup de Régilune. Bon, il y a mieux, mais il y a pire. Alors voici le récap de la pioche, hein. Je les ai quand même sleeve, donc nos petits ex, nos deux alt, qui sont assez cool. J'aime bien le design, je sais pas d'ailleurs si c'est le même... Non, c'est pas le même illustrateur, mais je trouve que ça se ressemble un petit peu. J'aime beaucoup du coup le Mias Max. Et du coup notre petite full art, je connais pas ce Pokémon, il faudrait que je regarde.
Donc voilà, bah écoutez, petite pioche, hein. C'est vrai que ça change avec Destinée de Paldea. Moi, je pense qu'on va retourner sur Destinée de Paldea pour la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !